municipale de la ville de Chambly. Je salue les citoyens qui sont avec nous ce soir, de même que ceux qui nous écoutent par le biais de la web diffusion. Je vous rappelle qu'il y a deux périodes de questions qui sont prévues au début. On m'entend pas? Le micro est ouvert? Mon bouton. Ah! La lumière est allumée bizarrement, mais pas fort. On recommence. Bonsoir à tous. Prise 2. Bienvenue à la séance du conseil municipal. Et là, c'est trop fort. Je veux saluer les citoyens qui sont avec nous ce soir dans la salle, de même que ceux qui nous écoutent par le biais de la web diffusion. Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a deux périodes de questions qui sont prévues au début et à la fin de l'Assemblée pour les personnes qui sont présentes. Si vous avez des questions à nous adresser sur des points spécifiques, il suffit de vous avancer au micro. Il me fera plaisir de vous donner des compléments d'informations au moment opportun. J'en profite aussi pour vous dire que même si vous venez pas dans la salle, vous nous écoutez à distance, il y a des questions qui ont été suscitées par l'Assemblée. Gênez-vous pas pour nous envoyer des courriels. Mes collègues conseillers, moi-même, on prend le temps de vous lire, de vous répondre. Ça nous fait toujours bien plaisir d'avoir de vos nouvelles. On prend les fleurs, le pot, tout ce qui vient avec. On est là pour vous autres. J'aimerais débuter avec une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population. Depuis le 31 mars, donc dimanche dernier, notre service d'incendie assure une permanence en caserne 24 heures sur 7. Et oui, on a commencé ça avec Pâques. Ça implique qu'une équipe composée de 6 pompiers et d'un chef aux opérations est présente en tout temps et prête à intervenir. Notre décision d'adopter un modèle de service de pompiers à temps plein marque une évolution significative dans la capacité de la municipalité à répondre aux besoins en matière de sécurité de la population. J'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer, en fait une partie de l'équipe ce matin, pour discuter avec eux. Ils sont ravis de ce changement. Ils vont également bénéficier d'un niveau d'entraînement soutenu afin de garantir une performance optimale lors des interventions. J'aimerais d'ailleurs féliciter sincèrement les 20 pompiers embauchés à temps plein qui étaient auparavant à l'emploi du service à temps partiel. Je souhaite également remercier l'ensemble de l'équipe du service incendie. C'est beaucoup de préparation. On voit enfin le fruit de leur effort. Je suis convaincue que vous allez continuer à servir et à protéger les Chambliens avec dévouement et professionnalisme. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. La prochaine étape pour le développement de notre service d'incendie 2.0 sera l'offre de services des premiers répondants par nos pompiers dès juin. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais c'est vraiment très intéressant aussi pour la population comme nouveau service. En terminant, j'aimerais vous inviter à consulter votre édition du papier du Journal de Chambly afin de découvrir la deuxième édition du cahier des organismes qui a été préparé par la Ville. C'est un cahier détachable, hyper intéressant. N'hésitez pas à le conserver. C'est 8 pages pour connaître toute la proposition d'activités printanières et estivales de vos organismes préférés. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Sœur Chavoie, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Savoie, Monsieur Thibault. Et on serait déjà à notre première période de questions. Bonsoir, Monsieur Martel. Bonsoir, Madame l'Abbé. Je vais juste vous demander sur un certain nombre de points de l'ordre du jour. Oui. Si vous pouviez, au moment, pas tout de suite, mais au moment d'arriver à ces points-là, de donner quelques précisions. Le 3.1, peut-être j'aurais dû chercher entrée chartière, qu'est-ce que c'est? Mais je suis curieux de savoir pourquoi on met ce règlement-là maintenant, mais pourquoi ça s'applique seulement au boulevard Fréchette puis la rue Brière. En 3.2, donc projet de règlement sur les matières résiduelles, je serais curieux de savoir au fil des ans comment ça, l'augmentation des coûts à la ville par rapport à l'inflation, par rapport à l'augmentation de la population aussi, est-ce que ça dépasse l'inflation? Ça, je serais curieux de savoir ça. Ensuite, en 4.4, bien ça, j'ai eu une bonne nouvelle, parce que j'avais été surpris, parce qu'il y a eu une consultation publique, c'est le projet de règlement pour changer le zonage sur le terrain de la municipalité. C'était en consultation jeudi dernier. Voilà, c'était en consultation jeudi dernier, alors que
L'ordre du jour pour ce soir était déjà sorti, donc ça donnait l'impression qu'on ne tiendrait pas compte de la consultation, puisque la proposition de règlement est déjà sur la feuille. Mais j'ai reçu un appel aujourd'hui de l'urbaniste qui était présent à la consultation publique, qui me dit que oui, on va probablement tenir compte des suggestions qui ont été faites, mais ce sera plus tard dans l'année. Donc, j'espère que je peux compter sur le fait que ça va réellement se produire. Mais j'ai vu ça comme une bonne nouvelle. Je suis surprise de votre surprise, mais je vous confirme que quand on fait une consultation publique, on le fait le plus sérieusement du monde, on prend en considération ce qui est émis comme commentaire. Ça n'a pas nécessairement automatiquement une influence sur le règlement qui est à adopter, mais l'ensemble des commentaires, le rapport de consultation est toujours transmis aux élus avant de prendre la décision. Donc, ils ont tous reçu les informations qui ont découlé de la rencontre de jeudi soir. Peut-être que ça vous surprend qu'on soit efficace, mais on est très efficace là-dessus pour s'assurer de bien transmettre l'information. Non, ça me surprend parce que ce qui avait été proposé, c'était de modifier le projet de règlement, mais il était déjà imprimé sur l'ordre du jour. Mais en fait, vous avez raison, le projet de règlement tel quel n'est pas modifié. Les commentaires qui ont été reçus vont susciter une nouvelle analyse, puis on va avoir un autre élément réglementaire qui va probablement découler de vos remarques et de vos observations. D'accord, merci. Donc, en 4.7, il y a un document. Regardez ça. Raccordement des branchements d'égouts d'eau potable. Donc, c'est un règlement de 47 pages qui en remplace un autre. Ce serait vraiment bien de savoir qu'est-ce qui a changé parce qu'on ne va pas se taper les 47 pages deux fois. Mais je sais que nous, comme élus, on avait là, vraiment les différences entre les deux règlements. Est-ce que ça peut être disponible à la population une fois adopté? Est-ce que c'est souligné ce qui change dans le nouveau règlement? Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'essence du règlement, c'est plus tout ce qui accompagne les inspections qui est modifié, ce qu'on avait pu constater à la lecture de notre côté. Dans tous les cas, une fois que le règlement est adopté, c'est sûr qu'on va communiquer abondamment. Quand il y a des règlements qui touchent la population, c'est sûr qu'on va aller communiquer les changements, les trucs qui prennent effet. Donc, ça s'accompagnera d'un effort de communication, très certainement. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des... Je comprends, des règlements colossaux comme ça, là, ça peut être intéressant d'avoir un son de cloche. Okay. Je peux suggérer quelque chose. Les personnes qui sont à votre droite, souvent, quand ils parlent en vous regardant. Peut-être que le micro devait être à leur gauche, parce qu'on n'a pas du tout entendu l'intervention de Madame Lagreffière. Lagreffière, effectivement. On prend bonne note. Merci. Je vais vous demander peut-être, ça fait quand même quelques questions, soit je prends tous vos points en rafale puis je les précise au fur et à mesure. Oui, ça va tout à fait. Ou on va proposer à quelqu'un de peut-être avoir la chance de poser une question. Je vais juste vous dire, donc en 5.1, sur la secto, ça parle de moderniser la gouvernance, donc j'aimerais savoir en quoi ça va être modernisé. En 5.2, l'acquisition d'une série de lots qui font quand même presque deux tiers d'un million de dollars. Donc, je serais curieux de savoir qu'est-ce que la ville veut faire avec ça. Ensuite, en 7.2, hop, on va la page. Le PIA, donc c'est, je pense, la dernière partie non développée de Chambly, pratiquement. Là. Je serais curieux de savoir un petit peu à quoi ça va ressembler, ce projet-là. Et voilà. Parfait, c'est bien noté. Donc, j'y reviendrai au fur et à mesure. Merci. Merci beaucoup. Le micro question. Est-ce que c'est possible, on a quelqu'un au son en haut,
d'augmenter le micro pour les questions. On n'entend pas très bien, peut-être sur nos moniteurs à nous, là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a des questions? Parfait. S'il n'y a personne d'autre qui a des questions, on va y aller directement avec l'ordre du jour. Allons-y donc au point 2, approbation des procès-verbaux. 2.1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024 avec la modification de la résolution 2024-03-110 au point 8.2 concernant le nom de l'organisme et la résolution 2024-03-089 au point 5.3 concernant la vente des lots au réseau de transport métropolitain EXO afin de préciser que la vente sera faite sans garantie légale de qualité. Pardon. Jean-François Molnar, je le propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Molnar, Madame Legendre. Au point 3, avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-1431-28A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly, visant à interdire pour tout usage exclusivement résidentiel l'aménagement d'une entrée charretière sur un lot d'angle ou transversal adjacent au boulevard Fréchette, ainsi que sur une partie de la rue Briand située au sud du boulevard Fréchette. En fait, on a une question là-dessus. C'est vraiment pour éviter que des fonds de l'eau qui se retrouvent sur un boulevard aussi large et aussi fréquenté que le boulevard Fréchette pourraient vouloir déboucher avec une entrée charretière. Donc, ça explique pourquoi on limite à ce secteur-là. C'est vraiment un enjeu là, où si on avait en fond de l'eau un paquet d'entrées charretières qui se déployaient, on aurait une problématique au niveau de la circulation. Donc, c'est pour éviter que ce type de problématique survienne. Carl Talbot, je donne l'avis. Monsieur Talbot. Au 3.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-12-20 concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Chambly, abrogeant le règlement 2017-13-68 et ses amendements. Donc, il y a eu là-dessus aussi une question. En fait, ce dépôt de projet de règlement-là vise vraiment là, une question de gestion des bacs en bordure de rue. Donc, il y a de l'information qui va être diffusée à ce sujet-là là, en lien avec le changement au niveau du règlement, là, donc au niveau du nombre de bacs qui sera permis, au niveau des matières ultimes, des matières recyclables et des matières, le bac brun, les matières organiques, je cherchais le mot, organiques. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là que ça porte. Pour ce qui est des coûts, je n'ai pas ça là, à brûle pour point comme ça sous la main, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut vous sortir. Là. Il y a bien sûr une indexation qui est prévue au coût du contrat, puis bien sûr, il y a le service par porte, il y a toute une série aussi là, de pénalités qui sont faites annuellement, là, dépendant du service qu'on reçoit, mais je suis sûre qu'on est capable de vous sortir un historique là, sur quelques années pour vous montrer un peu l'évolution de chacun de ces contrats-là. Donc, sans problème, on essaiera... On a votre courriel, M. Martel, on vous l'enverra plutôt par courriel. Justin Carré, je donne l'avis. M. Carré. Il s'agit de la standardisation, en fait, au niveau des ordures. Principalement, là, on a le nombre aussi de bacs et tout, mais la standardisation, à partir de janvier prochain, ça va être une levée mécanique, donc une standardisation. Il va falloir standardiser tous les contenants. Donc, ça aussi, ça va prendre effet à ce moment-là, mais ça implique ça aussi, le changement réglementaire. Tout à fait. Merci. Bien noté, Mme la greffière. Oui, M. Carré. Point 4, adoption de règlement. 4.1, dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt 2023-1515, décrétant une dépense et un emprunt de 6 590 000 pour la réfection de la rue Patrick Farrar. Il n'y a eu aucune signature. C'est un dépôt. 4.2 est sans objet. 4.3, c'est l'adoption du règlement final 2024-1353-05A qui modifie le règlement 2017-1353 sur les permis et certificats de la ville de Chambly et vise à modifier diverses dispositions. Colette Dubois, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Madame Dubois, Madame Legendre. À 4.4, c'est l'adoption du second projet de règlement 2024-1431-26A qui modifie le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly visant à ajouter à la zone commerciale C009 située sur le boulevard de Périgny, la classe d'usage commerce de services C2, à l'exception des usages là, qui sont cités. Est-ce que je dois faire la liste, Madame la greffière, de l'ensemble des usages? Non. La liste qui sont cités à la résolution. Retirer le nombre de logements minimal et maximal mentionné à la zone commerciale C002.
petite précision là, qui a été demandée. En effet, là, il y a eu des commentaires qui sont revenus sur des usages qu'on pourrait peut-être exclure de la zone. Donc, on va vraiment repartir cette procédure-là pour renvoyer là, au CCU, faire l'analyse complète là, de cette possibilité-là, puis on reviendra avec un potentiel règlement là, pour un retrait d'usage. Jean-François Monard, je le propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Molnar, Monsieur Talbot. 4.5, c'est l'adoption du règlement final 2024-1431-27A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly, visant à autoriser une unité d'habitation accessoire au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, à retirer une disposition relative à la largeur minimale d'une allée de circulation, ajouter la notion de volume de branche dans le cadre des dispositions applicables à la protection des arbres et à ajuster le montant des amendes pour une infraction relative à la coupe d'arbres ou d'arbustes. Serge Savoie, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Savoie, Madame Legendre. Point 4.6, c'est l'adoption du projet de règlement 2024-1431-28A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly, visant à interdire pour tout usage exclusivement résidentiel l'aménagement d'une entrée charretière sur un lot d'angle ou transversal adjacent au boulevard Fréchette, ainsi qu'une partie de la rue Briand située au sud du boulevard Fréchette. J'ai expliqué brièvement là, en quoi ça consiste. Puis, je vous invite, là, il y a une consultation le 18 avril prochain, une assemblée de consultation publique, si jamais vous avez d'autres questions sur le règlement, vous voulez des précisions, ou émettre un commentaire. Carl Talbot, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Talbot, Madame Dubois. 4.7, pardon, c'est l'adoption du règlement final 2024-1519 concernant le raccordement des branchements d'égouts et d'eau potable aux conduites publiques, l'évacuation des eaux de ruissellement et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement du système d'égouts et abrogeant le règlement 2022-1481. Je pense qu'on a bien expliqué tantôt là, les modifications qui étaient apportées. Luc Ricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carré. À 5.1, c'est la création d'un comité technique visant la pérennité des infrastructures en eau potable ainsi que la modernisation de la gouvernance de la SECTO. En fait, ce que ça vise, c'est ça vise potentiellement à accueillir de nouveaux partenaires. Donc, de la manière dont ça existe présentement, la SECTO, c'est limité au niveau de la loi. Donc, on veut étudier la possibilité d'avoir de nouveaux partenaires. Justin Carré, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Monsieur Carré, Monsieur Molnar. 5.2, c'est l'acquisition par la Ville d'une série de lots dans le secteur agricole. Oh non, pardon. Monsieur Carré, vous vouliez en faire la proposition. J'arrête ici. C'est pas grave, vous faites bien ça. On efface, on recommence, allez-y. Effectivement, c'est l'acquisition par la Ville d'une série de lots dans le secteur agricole et boisé de la ferme Guillon, de Mme André Marcil et de la ferme Guillon Limitée pour un montant estimé, total estimé de 626 538,42. Je le propose. J'ai quelques notions aussi que je voulais ajouter, dont entre autres pour répondre aux questions de M. Martel, mais je le propose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait l'appuyer. Jean-François Molnar, ben, je vais l'appuyer. Merci. Carré, M. Molnar. Donc, cet argent-là, ben, bon, ce sont des terrains qui sont boisés, qui sont agricoles, qui font partie d'une zone verte permanente non construisible et dont une bonne partie de ces frais-là vont être comblés. En fait, on va payer une partie de ces lots-là grâce à notre règlement de redevance des promoteurs et le fonds d'acquisition des milieux humides. Donc, en partie, grâce au projet qui a passé au dernier conseil, soit le projet Chloria Cité, qui va y avoir au centre-ville ici. Donc, je ne sais pas, je crois que vous voyez peut-être... Nous, okay. Elle est là, elle est rendue ici. OK, excellent, c'est rendu là. Donc, c'est effectivement des parties boisées. Vous pouvez voir sur la carte les parties qui étaient déjà, qui appartenaient déjà à la ville, donc les parties en bleu. Et on vient de s'entendre avec les propriétaires actuels, on vient de s'entendre avec eux pour acquérir les parties morcelées en orangé. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien aux questions, mais pour ce qu'on pourrait faire dans un éventuel, il va falloir peut-être acquérir davantage de ces lots-là avant de commencer à parler d'un projet en tant que tel. Mais effectivement... est-ce que des sentiers encore boisés, reliés, fonds rouges, tout ça est encore sur la table, donc à suivre.
Merci beaucoup. Voilà. Au point 5.3, la modification... Oh non, je suis partie, moi, je lis, je m'emballe. 5.3, M. Savoie. Donc, oui, bien, merci, allez-y. Mme la mairesse. C'est la modification. Dans le fond, on a un élu qui change sur le comité du régime de retraite de la ville de Chambly. Donc, on devrait maintenant avoir, on aura maintenant Mme, ma collègue conseillère Colette Dubois, qui va siéger sur ce comité. Donc, voilà, j'ai perdu le numéro de la résolution, Mme la... La résolution 2021-11-500, donc on modifie le nom de l'élu à l'intérieur. Merci. Ça va? Je propose. Jean-François Monard, je vais l'appuyer. M. Savoie, M. Monard. 5.4, M. Thibault. Merci, Mme la mairesse. Il s'agit de la reconnaissance de la journée du 17 mai comme étant la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bien que la Charte des droits et libertés, et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, l'identité du genre ou l'expression du genre, soit d'actualité, il n'en reste pas moins que même encore aujourd'hui, en 2024, nous devons signaler cette journée, car il reste malheureusement encore des cas de discrimination et des cas d'acharnement envers les gens de cette communauté. Alors, il me fait plaisir de proposer ce point. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Thibault, Madame Legendre. Merci beaucoup. Point 5.5, Monsieur Carré. Merci, Madame. J'oublie plus. Madame Labbé. Fini. Donc, il s'agit du nettoyage des berges des parcs. J'allais ajouter des espaces verts de la ville de Chambly. Le 20 avril, le 21 s'il fait pluie, et le 21 septembre, le 22 s'il fait pluie, et la collecte d'objets recyclables les 4 mai et le 5 octobre 2024. Donc... je vais donner des informations par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un veut appuyer ma proposition. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Talbot. Merci. Donc, en fait, effectivement, en collaboration avec Éco-citoyens, il va y avoir le nettoyage des berges. On fait ça chaque année. C'est c'est à partir de 9h jusqu'à 15h dans les parcs Martel et le parc Fond Rouge. Il va y avoir des kiosques. Prennent matériel et donc c'est une petite corvée que j'invite tous les citoyens de Chambly à participer. J'espère pouvoir y être également. Et pour ce qui est de la collecte des objets recyclables, bien, c'est tout ce qui est pas ce qu'on met pas normalement dans le bac bleu. Il y a certains de ces objets-là qui peuvent se retrouver, qu'on peut aller porter à l'éco-centre, mais il y a une collecte. Justement, dans le cadre du déménage du printemps qu'on peut faire, il y a une collecte qui se fait justement au 4 mai. Donc, fait intéressant, ça ne se passera pas au même endroit qu'à l'habitude, étant donné les... normalement, c'était au stationnement de la caserne de pompiers, étant donné qu'il y a des... Des travaux. Des travaux, effectivement. Des travaux qui s'y déroulent pour l'instant, ça va être au garage municipal, donc sur le boulevard industriel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Dans les points 6, les points finances, au 6.1, c'est un dépôt par la directrice générale adjointe. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner qu'on avait une visite spéciale aujourd'hui. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas M. Auclair qui nous accompagne pour la direction générale. C'est Aurélie Pradal, nouvelle directrice générale adjointe. Nouvelle. Ça fait déjà un an qu'elle est avec nous à la direction générale. Merci d'être là, Aurélie. Donc, dépôt par la directrice générale adjointe de la liste des amendements budgétaires pour la période du 20 février au 18 mars 2024. Au 6.2, c'est toujours un dépôt, donc des listes des paiements effectués à l'égard des dépenses préautorisées pour les activités de fonctionnement et les activités d'investissement pour la période du 20 février au 18 mars 2024. Et à 6.3, c'est la vente pour défaut de paiement de taxes le 22 mai 2024. Annie Legendre, je propose. Colette Dubois, je appuie. Madame Legendre, Madame Dubois. On est à la fin des points 6, donc avant les points 7, je vous propose une pause. J'essaie de voir quelle heure est-il. 7h54, 19h54, on recommencerait à 20h05. Donc, on se revoit tantôt. Merci.
Rebonsoir. On reprend la séance. On est au point aménagement et urbanisme, les points 7. 7.1, c'est l'octroi du mandat à la firme Atelier Beaupré-Michaud pour des services d'aide-conseil aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux. C'est la deuxième année là, où on s'inscrit dans ce service d'accompagnement d'aide-conseil. Il y a déjà 15 projets là, qui sont en branle, qui ont fait appel à ces services-là. On aura l'occasion, là, quand les projets seront plus avancés, qu'on pourra vous démontrer des résultats, là, vous faire un bilan de cette belle première année de l'exercice de ce service d'aide-conseil. On est déjà prêt à en renouveler pour une autre année. Luc Ricard, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Ricard, Madame Dubois. Monsieur Thibault, je vais vous inviter à faire les points suivants pour l'urbanisme, donc point 7.2. Merci, Madame la mairesse. Alors, en 7.2, c'est une autorisation d'un projet intégré résidentiel sur le lot 5 820 847 avenue de Salaberry. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA et c'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme avec les conditions suivantes. Comme à l'habitude, on a un écart de 15 cm acceptable pour l'ensemble des marges. On a un ajout de la planification de plantation d'au moins un arbre en façade des deux habitations de deux étages planifiées au projet. Prévoir la plantation d'arbres fruitiers et remplacer la moitié des bouleaux prévus sur le projet par des à papier le long de l'allée d'accès par des essences d'autres arbres. Le drainage de l'emplacement devra être assuré afin de ne pas nuire aux propriétés voisines tout en respectant les normes de remblai applicables à la zone inondable 20-100 ans. Les bâtiments construits sont situés en zone inondable 20-100 ans, comme mentionné à la précédente condition. Ils devront donc respecter les règlements d'immunisation prévus au règlement zonage 2020-1431. Les services d'aqueduc d'égouts pluviales et sanitaires situés sur l'avenue Salaberry devront être installés, donc un prolongement, et approuvé par le service du génie avant l'émission de tout permis de construction. Des frais de parc de 10 % de la valeur des terrains au rôle d'évaluation sont applicables à l'émission des permis de construction puisqu'il s'agit d'un plan de densification et que le tout soit conforme au plan numéro 23-2340 aux pages mentionnées en rubrique. Jean-Philippe Thibault, je propose. Quand Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. En 7.3, nous avons une autorisation de subdivision du 657 rue Saint-Joseph, soit le lot 2 043 196, et de la construction de trois habitations trifamiliales situées au 637, 641, 643 à 647 et 649 à 653 rue Saint-Joseph. C'est toujours un plan d'implémentation et d'intégration architecturale PPIA et c'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme avec conditions. Les conditions étant, donnez-moi un petit instant. Évidemment, il y a toujours l'écart de 15 cm, prévoir l'installation de conteneurs de type Moloch et le remplacement des compteurs traditionnels, ajouter la plantation d'arbres supplémentaires en marge avant de chaque habitation trifamiliale, assurer un empiètement maximal de 3 mètres de l'escalier extérieur conduisant au sous-sol et situé en façade du bâtiment et prévoir l'ajout d'un garde-corps. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. En 7.4, nous avons une demande de reconstruction de l'escalier extérieur du 84-86 rue Saint-Pierre, soit le lot 2 043 418 418 du cadastre du Québec. C'est toujours d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA et c'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme avec conditions. Les conditions sont les suivantes. C'est la reconstruction de l'escalier extérieur à condition de peinturer le nouvel escalier en bois d'une couleur blanche. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Ensuite, en 7.5, il s'agit d'une demande d'agrandissement résidentiel au 175 rue Saint-Pierre, soit le lot 2 043 361 du cadastre du Québec, toujours au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, et c'est une recommandation défavorable du comité d'urbanisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Jean-François Monard.
Jean-François Monard, à l'appui. Monsieur Thibault, Monsieur Molnar. Ensuite, en 7.6, nous avons une demande d'ajout d'une porte au 2150 Avenue de Bourgogne, le lot 2,346,721 du cadastre du Québec. Toujours un plan d'implantation et d'agrégation architecturale, PIIA. C'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme avec conditions. Les conditions sont les suivantes. C'est l'ajout d'une porte en façade latérale ainsi qu'une galerie. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Au 7.7, nous avons une demande de galerie au 65 rue de Richelieu, soit le lot 2,346,894 du cadastre du Québec. C'est d'ailleurs, comme toujours, au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. C'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme et il n'y a pas de conditions. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. En 7.8, nous avons l'autorisation de subdivision de l'emplacement du 657 rue Saint-Joseph, soit le lot 2,043,196, et de la construction de trois habitations trifamiliales isolées et jumelées. C'est un projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit le PPC Moi, et c'est l'adoption finale. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Merci beaucoup, M. Thibault. Avec plaisir, Mme la mairesse. Ça me donne une pause dans l'heure du jour. D'ailleurs, on va poursuivre avec les diverses pauses. Vous allez me donner un coup de main sur les points loisirs et culture. Donc, à 8.1, je cède la parole à Mme Dubois. Oui, merci. Dans le cadre de la Journée de la Terre, le 20 avril 2024, le groupe Scout Chambly-Carignan souhaite tenir une collecte de conteneurs consignés. À cet effet, il y aura un centre de tri temporaire à l'Aréna Robert-Lebel de 9h à 15h le 20 avril prochain. Tout l'argent servira à financer les activités des jeunes scouts de la région. Je vous fais part maintenant du projet de résolution que le Conseil autorise le versement de la somme de 250 $ à l'organisme Groupe Scout Chambly-Carignan dans le cadre de cette activité qui aura lieu le 20 avril 2024. Colle Dubois, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Madame Dubois, Monsieur Ricard. Merci beaucoup. 8.2, Monsieur Thibault. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Il s'agit d'une entente entre l'organisation Voitures anciennes du Québec Inc. et la Ville de Chambly pour une valeur totale de 17,264,87 $. Il s'agit d'une contribution financière de 5,000 $ et d'un soutien technique d'une valeur de 12,264,87 $ pour la tenue de la 31e édition du concours d'élégance de voitures anciennes de Chambly, qui sera situé sur le site du Fort de Chambly le 12, 13 et 14 juillet 2024. Jean-Philippe Thibault, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Savoie. Merci beaucoup. Monsieur Talbot, je vous cède la parole pour les deux prochains points. 8.3. Oui, merci. C'est d'abord 8.3, le versement d'une contribution financière d'un montant de 1 500 $ à l'entraide plus reconnue selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes pour leur événement Festin Bénéfice aux morts du 24 mai 2024 prochain. Donc, Carl Talbot, je le propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Carré. Et merci. Et en 8.4, c'est le versement d'une contribution financière d'un montant de 1 000 $ au Carrefour familial du Richelieu, reconnu selon la même politique d'admissibilité et de soutien pour les deux éditions du Bazar familial qui auront lieu les 6 et 7 avril prochains et les 5 et 6 octobre dans la cafétéria de l'école secondaire de Chambly. Donc, Carl Talbot, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Savoie. Pour le 8.5, pardon, Madame Dubois. C'est à vous. Oui, merci. Versement d'une contribution financière d'un montant de 2 000 $ à l'atelier lyrique de Chambly, reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes pour l'événement concert d'Halloween, une virée au cimetière qui aura lieu en octobre 2024. Colette Dubois, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Madame Dubois, Madame Legendre. 8.6, M. Ricard. Merci, Mme l'Abbé.
Alors ici, c'est un soutien financier et technique à l'organisme Festival de blues de la Montérégie, qui a été reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes à Chambly, d'une valeur totale de 7 756,88 $ pour l'édition 2024 du Festival de blues de la Montérégie sur le territoire de Chambly, qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2024. Ça avait été un très grand succès l'an passé. Beaucoup de gens sont venus dans le centre-ville, ils ont eu des périodes de festivités, les rues étaient fermées aux voitures et les gens marchaient, c'était vraiment agréable. Donc, c'est reconduit et l'organisme est reconnu cette année. Donc, on répète et puis je pense que les gens l'attendent. Donc, je le propose, Luc Ricard. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carré. Oui. Et il s'agit d'une contribution financière de 5 000 $ et d'un soutien technique de 2 756,88 $. Je voulais juste le mentionner. Merci, Monsieur Carré. Désolé. Pas de problème. Pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. 8.7, Madame Dubois. Oui, merci. Versement d'une contribution financière d'un montant de 1 250 $ à l'organisme Les Voix du Fort pour leur concert de fin d'année. Les Voix du Fort à travers le temps qui aura lieu le 26 mai 2024 au Centre des aînés. Permettez-moi de dire que ce concert permettra de voyager à travers le temps grâce à une musique de plusieurs époques. Il s'agit du premier concert de ce chœur dont le nom révèle son ancrage dans la communauté de Chambly, les Voix du Fort. Colette Dubois, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Madame Dubois, Monsieur Ricard. Merci beaucoup. Au point 8.8, Madame Legendre. Versement d'une contribution financière de montant de 2 000 $ aux productions Nouvelle-Orléans pour l'édition 2024 de la Quinzaine Jazz qui se déroulera du 12 au 26 octobre 2024. Annie Legendre, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Madame Legendre, Madame Dubois. Merci beaucoup. Au 8.9, Monsieur Talbot. Oui, merci. C'est un soutien financier et technique à l'organisme La Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly, qui est reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes, d'une valeur totale de 5 134,53 $ pour l'art rue 2024, qui se déroulera le samedi 8 juin prochain. Donc, Carl Talbot, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Talbot, Madame Legendre. 8.10, Monsieur Thibault. Merci, Madame la mairesse. Il s'agit d'un soutien financier et technique d'un montant de 3 525 $ à l'organisme Ionix, reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien aux organismes pour leur spectacle annuel qui aura lieu samedi et dimanche, le 15 et 16 juin 2024 à l'Arena Robert Lebel. Jean-Philippe Thibault, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Thibault, Madame Dubois. Au 8.11, Monsieur Monard. Merci, Madame la mairesse. Alors, 8.11, reconnaissance des organismes, les Voix du Fort, l'Association des ligues de volleyball de Chambly, la Ligue de balle-molle féminine de Chambly et la Ligue de balle-molle des vétérans de Chambly, selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes de la Ville de Chambly. Alors, Jean-François Monard, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Monard, Monsieur Savoie. Merci. À 8.12, M. Thibault, vous voulez en faire la présentation? Oui, merci encore. C'est de l'autorisation d'adhésion au programme Circonflexe, prêt pour bouger de l'organisme Loisirs et Sports Montérégie. Il s'agit d'un concept de parc d'éducation. Il y a plusieurs volets et il y aurait 2 saisons pour la ville de Chambly. Les informations devraient être disponibles sous peu. Il s'agit d'une première démarche dans le cadre de cet organisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Le Cricard, j'appuie. Je ferai la sauce pour vous donner une chance. Là. Merci, merci. Désolée, j'ai comme un gros matou dans la gorge. Ça va passer. J'ai pris une petite gorgée d'eau, mais... Monsieur Thibault et Monsieur Ricard. 8.13, Madame Legendre, continue de me donner du répit. Merci. Parfait. C'est soutien à l'organisme aux sources du bassin de Chambly pour la tenue de l'événement du Festival Rock qui se tiendra le samedi 4 mai 2024 au Centre sportif Robert Lebel. Annie Legendre, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Madame Legendre, Monsieur Savoie.
Merci beaucoup, les collègues. Vous comprendrez que l'effet, là, au point 8, ce mois-ci, c'est l'effet de nos regroupements, en fait, avec la nouvelle politique d'admissibilité des organismes. On a vraiment des dates de dépôt pour toutes les demandes de soutien, donc ça donne des points un peu chargés au point 8. On va trouver une façon un peu plus synthétisée de vous présenter ça prochainement. Au point 9, les points des services des travaux publics. 9.1, c'est l'octroi du contrat DPATP 2024-01 relatif à la location de véhicules pour la période estivale 2024 à l'entreprise Location Sauvageau Inc. pour le lot 1 au montant de 34 487,90 $, incluant les taxes applicables, et à l'entreprise Bonne Route Location d'Auto pour le lot 2 au montant de 37 228,91 $, incluant les taxes applicables. Le Cricard, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Molnar. 9.2, c'est l'autorisation de retenir l'option de renouvellement du contrat TP 2023-02 relatif à l'entretien du réseau d'éclairage et de travaux d'entretien électrique pour la période du 31 mai 2024 au 30 avril 2025 à l'entreprise Electrel Inc. Le Cricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carré. 9.3, c'est l'octroi du contrat TP 2024-03 relatif à l'entretien ménager des différents bâtiments municipaux pour une période de 3 ans. Aux entreprises Ménage Protech Inc. pour un montant de 251 359,40 $, incluant les taxes applicables pour le lot 1, et un montant de 126 985,79 $, incluant les taxes applicables pour le lot 2. Le Cricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carré. Dans les points 10, service du génie. 10.1, c'est l'octroi du contrat de gré à gré relatif à des travaux de structure au centre nautique Gervais-Desourdis à l'entreprise de construction RDJ Inc. pour un montant total de 87 036,08 $, incluant les taxes applicables. Sir Savoie, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Savoie, Monsieur Talbot. Je pense que c'est important de dire que ces travaux-là n'affecteront en rien la saison nautique. Là, tous les services vont être offerts au même titre là, que les années habituelles. On avait vraiment besoin de faire ces travaux-là. Donc, 10.2, c'est l'octroi du contrat GE2024-03 relatif à des travaux de réfection de la rue Carlton à l'entreprise CBC 2010 Inc. pour un montant total de 2 037 000 $, incluant les taxes applicables. Sir Savoie, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Savoie, Madame Legendre. 10.3, c'est l'octroi du contrat GE2024-09 relatif à des travaux de réfection de la rue Dumaine à l'entreprise MSA Infrastructure Inc. pour un montant total de 890 037,66 $, incluant les taxes applicables. Carl Talbot, je propose. Le Cricard, j'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Ricard. 10.4, c'est l'octroi du contrat GE2024-28 relatif à des travaux de réaménagement du parc Hertel aux entreprises PNP Inc. pour un montant total de 666 198,32 $, incluant les taxes applicables. Le Cricard, je propose. Sir Savoie, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Savoie. Point 11, point le service incendie et sécurité publique. Au point 11.1, c'est l'octroi du contrat DPAIN 2024-01 relatif à l'acquisition de radios portatives pour le service d'incendie à l'entreprise Motorola Solutions Canada Inc. pour un montant total de 114 500 $, incluant les taxes applicables. Annie Legendre, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Madame Legendre, Monsieur Thibault. Au point 11.2, c'est l'autorisation de signature de l'entente régionale d'entraide sécurité incendie de l'entente de réponse multicaserne avec la ville de La Prairie. Carl Talbot, je propose. Monsieur Talbot, Madame Dubois. Pour les points 12 et points en ressources humaines, au 12.1, c'est la confirmation d'embauche et de nomination. Je vais demander à Madame Pradal si vous voulez faire la liste là, des postes. Oui, bien sûr. Donc, il y a un poste col blanc, secrétaire équipe volante. On a 6 embauches col bleu surnuméraire. Donc, une horticultrice, 3 journaliers, 2 préposés aux loisirs. Et on a encore de l'embauche massive de personnel étudiant pour la saison estivale avec 43 postes, donc des postes pour les camps de jour, préposés à l'entretien des parcs et espaces verts, aussi des plateaux sportifs et des surveillants nautiques. Merci beaucoup. Annie Legendre, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Madame Legendre, Madame Dubois. 12.2, ce sont les ententes intervenues avec les syndicats. Sir Savoie, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Savoie, Monsieur Thibault. 12.3, c'est la création d'un titre d'emploi et d'un poste cadre, directeur adjoint du service des finances et trésorier adjoint.
Luc Ricard, je propose. Excusez. Justin Carey, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carey. Il n'y a pas de point 13 aux affaires nouvelles. On serait donc à la deuxième période de questions. Bonjour, Louise Gordon. Là, j'ai une question. Là, on parlait là, du grand terrain là, derrière chez Guyon. Oui, oui, tout à fait. OK. D'acquisition des pourquoi terres. Pourquoi qu'on a besoin d'acheter ça? C'est-tu soudainement ou... C'est parce que c'est un gros chiffre, là. Oui. Puis, c'est-tu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre la main là-dessus puis qu'on a peur que ça se développe? Non, pas du tout. En fait, tout ce qui est en zone agricole à l'intérieur des limites de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est présentement protégé. Okay. Bien entendu, on a créé un fonds d'acquisition de milieux naturels quand on a décidé d'attribuer nos enveloppes de redevances aux promoteurs parce que vous avez un conseil qui est très sensible à l'idée de protéger les milieux naturels, mais aussi de vous les rendre accessibles, donc de permettre un accès à la nature à sa population. Ah. Okay. Dans ce cas-ci, les terrains sont avantageusement situés tout près de notre grand parc nature qu'on est en train de se préparer à vous offrir, qui est notre parc naturel des ruisseaux. Donc, il y a une volonté du conseil, en fait, de remembrer. On parlait là, que c'était très morcelé, vous l'avez vu sur oui. l'image. Donc, il y a un intérêt de remembrer ces terres-là puis d'en faire peut-être une extension de notre parc naturel des ruisseaux. Pour le moment... C'est pas possible, donc il y a encore tous ces efforts de remembrement-là à faire. Mais je vous dirais que pour vous donner un ordre de grandeur, là, le parc des ruisseaux, ça l'a pris autour d'une dizaine d'années, là, remembrer chacun des lots pour vraiment être capable d'aller faire l'acquisition de l'ensemble de ces terrains-là. Mm-hmm. Pour ce qui est du montant, je veux juste vous dire, donner une échelle de grandeur, c'est quand même 2 millions de pieds carrés. Donc, on a quand même obtenu les terrains à 30 sous le pied carré, ce qui est un excellent prix. OK. Et nous, notre stratégie là, dans cette acquisition-là, c'est bien entendu, M. Carey en a parlé, on va attribuer des fonds de nos redevances aux promoteurs pour environ la moitié de la somme. Puis on va travailler très fort, là, mais on a des bonnes chances aussi d'être capable d'aller chercher des subventions, entre autres Trame verte et bleue, okay. du côté de la CMM. Donc, ce qui nous porte à croire, ça va être une acquisition à coût nul pour vous, les citoyens. Là, ça va vraiment être... déjà tout bien emballé, là, restera le reste des terres plus morcelées où c'est plus long là, à acquérir. OK. Correct. C'est justifié. C'est plus clair. Merci, M. Carey, d'ailleurs, pour notre promo, pour faire le ménage de nos terrains verts, nos berges et tout. Merci beaucoup pour tantôt. Oui, Mme Gordon, vous êtes avec Éco-citoyens, c'est ça? Hein? Super. Merci d'être venu nous voir. J'invite la population à se joindre à nous. Merci plus beaucoup. Qu'on est plus de fous, plus on s'amuse. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Faites-moi signe. Levez-vous, faites-moi signe, comme vous voulez. Rebonsoir, M. Martel. Rebonsoir, Mme Labbé. Pour revenir sur certains des points de ce soir, dans 3.2, là, vous avez dit que ce qui touchait aux ordures, etc., les matières résiduelles, c'était pour standardiser, je pense? Oui, il y a une partie qui est la standardisation des matières ultimes, là, au niveau des bacs des matières ultimes, mais il y a aussi une question là, de nombre de bacs permis au niveau des matières organiques qui est augmenté à 2. C'est quelques détails comme ça, là. OK. Parce que, si je ne me trompe pas, à ce moment, les bacs de recyclage et les bacs pour les matières organiques sont fournis par la Ville? Oui. Et les bacs pour les ordures sont fournis par les propriétaires? Tout à fait. Est-ce que ça va changer pour standardiser? Non, ça ne changera pas. OK. Ensuite, en 5.1, pour le secteur, vous avez parlé de nouveaux partenaires. Est-ce que ce serait des villes qui vont s'ajouter ou ce serait plutôt des partenaires privés? Puis ce serait d'autres municipalités qui voudraient s'ajouter. Ouais. D'accord. On a des demandes de Carignan là, de manière récurrente. Je pense que ça a été dit aussi. Okay. Là. Il y a assez d'eau dans la rivière Richelieu pour fournir tout ça? On devrait être bon. OK. Vous avez parlé de l'oriosité. Le mois dernier, je n'étais pas ici, mais j'ai écouté l'Assemblée du Conseil. Je pense que vous avez parlé d'un projet sur Fréchette. Puis dans le journal de Chambly, ils ont parlé de l'oriosité, à moins que ce soit le contraire. J'ai essayé de faire deux et deux. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est ça? L'oriosité, c'est sur Fréchette, c'est ça? C'est chloriacité avec un C.
Mais oui, ça se situe dans l'îlot, dans le fond, entre Fréchette et Petrosa, entre Bourgogne et Périgny. Ce n'est pas l'îlot complet, là, mais ça se situe à un endroit au centre de tout ça. Donc, entre le Maxi et la place Chambly, le centre d'achat. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de démolition. Ça va aller sur l'emplacement. Parce que ça parle d'agrandissement. Donc, En fait, il y a deux petites démolitions, donc deux petits bâtiments qui sont collés aux locaux du 240 Fréchette, c'est ça, hein? L'adresse? Oui, 240 Fréchette. Donc, effectivement, c'est considéré comme un agrandissement du 240 Fréchette, là, qui est l'espèce de bande commerciale de briques. Donc, c'est ça qui va s'agrandir, effectivement, par le côté puis par en arrière. L'ensemble de tous les détails de ce grand projet-là se trouve sur le site Internet de la Ville. Dans grand projet, vous avez toujours grand projet municipaux. C'est les projets qui concernent vraiment la ville, qui sont pilotés par la ville. Vous avez des onglets, des dossiers où c'est grand projet généraux, donc des grands projets plutôt privés. À ce moment-là, vous allez le trouver. Là, au même titre qu'Aéra, on va avoir mis une ligne du temps. Vous allez avoir toutes les informations sur Curiosité de ce côté-là. D'accord. Et ça s'inscrit dans le PPU Centre-Ville. Oui, j'imagine. Au même point de vue, les voitures anciennes, il me semble que vous accordez une très, très grosse subvention aux voitures anciennes. Je pense que c'est la plus grosse de tout le point 8. Est-ce qu'il y a des retombées fantastiques qui viennent de ça? En fait, il y a énormément d'aides techniques dans tout ça. Donc, financièrement, le montant n'est pas si énorme. Mais effectivement, il y a beaucoup d'aides techniques. C'est beaucoup des questions de prêts de clôture pour clôturer le site. C'est quelque chose qu'on a souligné à l'organisation puis avec lesquels on travaille là, pour voir comment repenser peut-être l'événement puis voir à ce que la ville soit moins partie prenante dans certains éléments. Mais c'est sûr qu'on parle là, de certaines choses qui étaient faites depuis des années, puis on est en train de travailler avec les organismes là, pour les aider à mieux gérer cette disparité-là dans les aides techniques qu'on offre là, à divers événements. OK. En 9.2, est-ce que c'est une coquille ou est-ce que c'est vraiment il y a un contrat qui va durer 11 mois et non pas 12 mois? Mon Dieu, bonne question. J'ai pas. On va demander la greffière, vous vérifiez ça. Mais déjà, on dépasse un peu le nombre de deux questions. Je vais juste vous demander de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la salle, qu'on évite d'avoir une conversation entre vous et moi. Puis on va le valider. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, juste à me faire signe, si vous voulez venir au micro? Sinon, on va redonner la parole à M. Martel, sans problème. Quelqu'un d'autre? Parfait, M. Martel, si vous voulez revenir. Là, je sais, là, ça paraît un peu drôle, puis vous vous dites, elle veut vous faire marcher, M. Martel, c'est pas ça du tout. Je vous le dis, c'est intimidant de venir parler au micro. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont là pour la première fois dans la salle. Je veux juste être capable de démontrer qu'on a l'ouverture aussi, que tout le monde puisse. Il n'y a pas un monopole de micro. Là. C'était vraiment pour des soucis d'équité. Ça ne me dérange pas. Ça ne me fait pas d'exercice. Merci. Parfait. Oui, alors, des autres points dont je voulais parler. Bravo pour le fait que la Ville va distribuer, je pense, 280 paires de lunettes de protection pour l'éclipse solaire. Par contre, le mois dernier, quand M. Thibault a parlé de l'événement, il a dit que l'éclipse totale va durer 2 minutes 20 et que l'éclipse, en tout, ça va durer une vingtaine de minutes ou même plus. En fait, c'est 2h22, donc ça dure une grosse partie de l'après-midi. Donc, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Si vous êtes allé visiter un certain site Internet, vous avez peut-être pu voir ça, d'ailleurs. Sinon, moi, je vais revenir un petit peu au golf et le futur parc et puis le futur développement. C'est ça. Il y a deux mois, j'avais souhaité poser une question spécifiquement à un conseiller et vous m'avez pas laissé, mais vous avez quand même répondu à la question, même si elle ne vous était pas adressée. Puis vous avez dit, je vais mettre en garde mes collègues de dévoiler les délibérations qui se passent en huis clos par respect pour les échanges qu'on a entre collègues. Ça me dérange beaucoup parce que ces échanges-là, normalement, ils devraient être publics. On devrait savoir comment les débats se font.
on devrait savoir qui amène les arguments, pourquoi certaines recommandations ne sont pas suivies, etc. Tout ça, on a besoin de savoir ça. Là, tout ce qu'on a, et notamment de la part des conseillers, tout ce qu'on a, c'est qu'ils nous lisent des textes. Moi, M. Martel, j'ai pas entendu de question, c'est un commentaire. Je veux juste corriger votre commentaire. Premièrement, je ne vous ai pas dit que vous n'aviez pas le droit de poser des questions à des conseillers. Je vous ai dit que vous pouviez très bien adresser votre question à un conseiller, mais ici, je préside une assemblée, c'est moi qui ai le devoir de répondre à vos questions. Puis j'obligerai jamais un conseiller de répondre s'il ne souhaite pas répondre. Puis ils ont tous un droit de parole à la fin de l'assemblée. C'est tout ce que j'essaie de vous rappeler à cette fois-là. Fait que je vous demande juste de ne pas me prêter d'intention ou de ne pas déformer mon message dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai mis en garde mes collègues, puis je les refais aussi dans d'autres rencontres, parce qu'ils peuvent parler en leur nom, ils peuvent énoncer sur quoi ils ont, eux, débattu, ils peuvent parler de leur position, de prendre la parole pour un tiers ou d'aller dire qui a dit quoi. C'est là où on trace la ligne. Puis l'importance d'une partie de ces débats-là à huis clos, c'est que je veux qu'ils se sentent à l'aise de poser toutes les questions, qu'ils ne se sentent pas jugés, puis qu'ils puissent aller chercher toutes les réponses à leurs questions. Vous avez une opinion différente, vous me l'avez communiqué à plusieurs occasions. Avec les commissions Charbonneau aussi. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Vous avez dit à plusieurs occasions que, selon vous, les plaignants devraient être publics. Vous avez droit à votre opinion. J'en change pas. Ça vous appartient. Pour le moment, c'est erroné de dire qu'il devrait ou que c'est censé être fait comme ça. On tient nos assemblées publiques. On échange sur ça, pourquoi on a envie d'échanger, puis vous n'avez pas à contrôler nos débats ou nous dire ce qu'on devrait ou devrait pas dire en assemblée. Puis les plaignants ne sont pas publics, il n'y a pas rien dans la loi qui le demande. Puis je vous demande juste de faire attention, là, vous énoncez des choses comme si c'était des vérités. Prêtez-nous pas d'intention, vous avez le droit à vos opinions, on les respecte. Maintenant, faisons ça respectueusement. Mais quand vous dites que c'est pas vrai, que je ne peux pas poser des questions aux conseillers, en fait, c'est vrai dans le sens que je ne peux pas poser une question puis avoir une réponse d'eux directement. C'est-à-dire que je pose une question... Et vous ne dites pas, monsieur le conseiller, madame la conseillère, voulez-vous répondre? Vous allez répondre vous-même. Et puis après, vous allez demander. Donc, en fait, vous leur dites c'est quoi la réponse. Monsieur effectivement, Martel, puis quand ça s'est passé, c'est exactement ça qui s'est passé. Le conseiller, tout de suite après, a répété dans d'autres mots ce que vous veniez de dire. Monsieur Martel, j'oblige personne à prendre la parole d'une façon ou d'une autre autour de cette table-là. Non, je vous demande je pas contrôle de absolument rien de ce qui se passe dans les mots des conseillers non plus. Là, je vous demande de faire attention. Vous me parlez, c'est la régie interne. Je préside l'Assemblée, les questions doivent m'être dirigées, puis après je décide qui peut répondre ou qui peut ajouter un complément de réponse. C'est inscrit dans la régie interne. Oui, cherchez pas dans la loi. Monsieur Martel, là, je suis patiente, je réponds à vos questions. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce type de discussion-là et je vous dis, je vais mettre une fin à votre intervention parce que je veux qu'on évite ce genre de discussion-là. Ce n'est pas l'endroit pour venir discuter de ma façon d'animer l'Assemblée. Si vous voulez en parler, prenez rendez-vous avec moi, on en jasera dans mon bureau. Si vous n'aimez pas mon style de présidence d'Assemblée, on en discutera ensemble. Ici, c'est une période de questions. Pour venir poser des questions dans l'intérêt des citoyens, sur l'ordre du jour ou sur d'autres sujets, on est très permissif, on déborde largement sur les temps de parole, on vous permet de revenir sur 2, 3, 4 questions. Je vous demande juste de ne pas en abuser, puis de rester dans le respect des règles. Et je pense juste que le règlement de régie interne ne prime pas sur la loi. OK, monsieur, je vais vous poser une question sur un autre sujet. Monsieur Martel, moi je termine l'intervention ici. On a déjà eu suffisamment de discussions, vous et moi, on va le terminer ici. C'est sur un autre sujet. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui veut poser de questions. Parfait. Okay. Petit détail, juste un petit détail. Tantôt, il y a un conseiller allez-y. Qui parlait dans les 7.3.4.5. On dit que c'est accepté, vous avez fait votre adoption, tout ça. Il y a un point qui était défavorable. Oui. OK. Pourquoi celui-là est défavorable et les autres ne le sont pas?
OK. Bien, mais d'habitude, c'est un détail, oui, j'aimerais ça en discuter un petit peu. Mais d'habitude, en fait, quand un point est défavorable, je prends le temps de le mentionner. M. Thibault, vous ne l'avez pas fait, puis je ne vous en tiens pas rigueur, mais souvent, je prenais le temps de le dire. Quand on a une recommandation défavorable de notre CCU, c'est que le conseil se rallie à la recommandation du CCU. On va donc refuser la demande ou le projet. Donc, ce qu'il faut comprendre à la lecture d'un point comme ça, c'est que conséquemment, il est résolu que le conseil refuse le projet dont il est question. C'est pour ça qu'on parle d'une recommandation défavorable. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, lorsque tout ça lui est présenté, ces projets-là, ils vont vraiment aller dans le détail, poser toutes leurs questions, explorer chaque élément de la demande ou du projet. Puis après, ils vont nous revenir avec une recommandation qui est soit favorable, parfois favorable avec condition, parfois défavorable. Après, le conseil, nous, on pourrait décider là, de ce qu'on veut. Je vous dirais, grosso modo, là, j'aime pas ça être drastique ou très campé, mais je pense qu'on a supporté à peu près toutes les décisions de notre CCU jusqu'à présent. Ils font un travail exhaustif, un travail exemplaire. Ils vont dans des détails. Donc, habituellement, on est toujours en support de notre CCU. Très rarement, on a été contre une décision de notre CCU. Mais on pourrait, puis je pense que c'est déjà arrivé, où on va rajouter une condition supplémentaire qui, pour nous, est importante, où on trouve qu'ils ont soulevé quelque chose, on va aller un peu plus loin. Donc, ça peut arriver aussi. Voulez-vous rajouter quelque chose, M. Thibault? Bien, je voulais dire, à titre informatique, le CCU, ça serait peut-être intéressant et pertinent à ce moment-ci d'informer les gens ici et à la maison. Les membres du conseil qui siègent sur le CCU ne sont pas votants. Alors, c'est vraiment les citoyens qui font la démarche entièrement. Nous, on est là juste pour s'assurer que les intérêts de la ville et des citoyens soient bien encadrés, tout ça. Mais c'est vraiment les membres citoyens qui sont votants qui prennent la décision. Puis leurs recommandations ensuite sont soit entérinées ou débattues en huis clos. Alors, puis Madame la mairesse a bien fait de le mentionner, l'an dernier, on est allé une fois à l'encontre du comité consultatif d'urbanisme, puis on a même fait une rétroaction, on a rencontré le CCU pour leur expliquer pourquoi que le conseil avait décidé d'y aller autrement, puis c'est vraiment un cheminement assez spécial de CCU, parce que justement, on est deux assiégés dessus, mais on... Je ne peux pas rien dire. On est là juste pour s'assurer que tout va bien. OK. OK. C'est technique. C'est plus clair? Oui. Oh, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Mme Gordon. Monsieur Martel, une dernière question? J'ai encore parlé du golf. Vous avez dit bon, qu'il y a le 70% parc, 30% développement. Vous avez dit aussi qu'il y avait eu différents scénarios qui avaient été étudiés pour le 80, 20, 75, 25. Est-ce que si on fait une demande d'accès à l'information, on peut avoir ces informations-là? Qu'est-ce que ça donnait, le 80, 20? Qu'est-ce que ça donnait, le 75, 25? Pour voir pourquoi vous n'avez pas choisi ça? Parce que vous avez souligné que le parc se ferait sans emprunt, simplement sur le budget d'opération de la ville. Je me trompe pas? Non. Bien, en fait, le parc. Oui. Bien, je ne sais pas, le vous nommez parc, là, mais en fait, la ville fait l'acquisition de 70 % du site. Je n'ai jamais mentionné que ça se ferait sans règlement d'emprunt, parce qu'en fait, si vous allez voir sur le site Internet, on a tout détaillé le projet. Il y a déjà abondamment d'informations sur le site Internet. Mais vous le voyez, là, dans les différentes étapes, il y aura l'étape du règlement d'emprunt pour l'emprunt pour l'achat du golf, là, l'achat du 70 % de terrain. Mm-hmm. J'essaie de me ressouvenir de votre question. Vous voulez savoir S'il serait possible d'avoir les informations sur les différents scénarios que vous avez envisagés, 70, 30, 80, 20, etc. Écoutez, c'est des scénarios qu'on a écartés. Mais je vous dirais que juste dans un souci de bonne compréhension de tout le monde, si on présente quatre scénarios qu'on n'a même pas retenus, puis on a de la misère à clarifier un seul scénario qu'on a retenu, moi, je ne diffuserai pas les autres scénarios qu'on n'a pas retenus. En demande d'accès à l'information, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des informations qui peuvent être obtenues sur ces différents scénarios-là, parce qu'ils n'ont jamais été présentés à la population. Ce n'est pas des scénarios officiels. Puis je vous dirais qu'il y a peut-être des scénarios que chacun a fait dans leur cuisine. Ça, je ne les ai pas non plus. Des possibilités, il y en a vraiment beaucoup, là.
Ce qu'on a retenu, c'est le scénario qu'on est en train de vous présenter, c'est celui dans lequel on chemine. On va vous inviter à participer. J'ai envie de vous dire, soyez constructifs dans le scénario qu'on a choisi, plutôt qu'essayer de trouver pourquoi on n'a pas choisi les autres. Travaillons sur celui qu'on a établi, puis faisons-le ensemble. Non, ce serait tout à fait possible que je regarde les scénarios et je dise, mon Dieu, ils ont fait exactement la bonne décision. J'ai pas dit que c'était impossible. Donc, vous dites qu'il y aura bien un règlement d'emprunt pour... C'est exactement inscrit dans notre échéancier. Donc, oui, il y en aura un. Bon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je ne vois pas de mouvement dans la salle, on va procéder avec les mots des conseillers. Là, si ma mémoire est bonne, puis elle n'est pas bonne, j'ai demandé à des collègues, je vous le dis. Monsieur Curry, c'est à vous. Merci, Mme Labbé. La mémoire de Mme Legendre est bonne. Donc, le printemps arrive, même si on va avoir une tempête cette semaine. Le printemps arrive et avec le printemps qui se réveille, ça nous rappelle qu'à chaque année, l'importance de préserver notre planète. D'ailleurs, le jour de la Terre aura lieu très bientôt avant le prochain conseil de ville, soit le 22 avril, et je rajouterai tous les jours également. Ça se veut l'opportunité de réfléchir sur l'impact de nos gestes et sur notre environnement et sur la façon dont nous pouvons collectivement nous améliorer. À Chambly, il y aura cette année, pour l'occasion, une petite programmation d'activités, dont l'activité dont j'ai fait mention tantôt et dont Mme Gordon a également fait mention tantôt. Il s'agit du nettoyage des berges, des parcs et des espaces verts de la ville qui aura lieu le 20 avril. C'est une activité qui est effectivement en collaboration avec Éco-Citoyen Chambly qui aura lieu de 9h le matin à 15h en après-midi. Et comme je disais tantôt, il y aura des kiosques au parc Font-Rouge, au parc Martel et qu'en cas de pluie, ça sera remis au lendemain à la même heure. Je voulais mentionner aussi que dans le cadre de ces petites activités-là du Jour de la Terre, le 24 avril, c'est un mercredi à 19h, il y aura un atelier qui pourrait intéresser mon collègue M. Thibault sur les poules dans sa cour, pas dans sa cour à lui, mais dans la cour de nos citoyens. Ça va se dérouler, donc c'est une conférence sur les poules urbaines, ça va se dérouler au chapiteau du Parc des ateliers. C'est une activité dont on doit s'inscrire en communiquant avec le pôle culturel de la ville de Chambly. Évidemment, tous les détails là, se trouvent sur le site Internet de la ville de Chambly. Et finalement, je voulais mentionner que la ville lance aux citoyens un petit défi photographique. Donc, avec le printemps qui arrive, les fleurs, les animaux qui commencent à ressortir, à reprendre vie, c'est la deuxième année que ça arrive et ça va se dérouler du 26 au 29 avril prochain. C'est une activité toute simple. On prend une photo de la flore ou de la faune, on envoie ça directement, nos petites trouvailles, à inaturaliste.ca. C'est en anglais, donc c'est pour ça que je disais le i, là, il était un peu... inaturaliste.ca. Et évidemment, tous les détails se trouvent sur le site Internet de la ville. Je vous suggère de participer. Ça peut être ludique de prendre des petites photos de la nature avec nos enfants, entre autres. Donc, voilà. Voilà, c'est le jour de la Terre qui s'en vient avant le prochain conseil. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Carey. M. Monard, allez-y. Merci, Mme Labbé. Alors, avis aux artistes. La ville de Chambly est présentement en période d'appel de dossiers en art visuel pour la saison 2025. Nous offrons deux opportunités d'exposition, soit ici même dans le hall du pôle culturel de Chambly ou sur nos différentes structures d'exposition extérieure réparties dans quatre lieux de la municipalité. Les artistes ou les collectifs sont invités à soumettre leur candidature jusqu'au 28 avril. Tous les détails sur notre site Internet. Une nouvelle exposition fera d'ailleurs son entrée au pôle culturel de Chambly lundi prochain. Nous accueillerons l'artiste Diane Jutra et son exposition « Éclipse et vanité » jusqu'au 20 mai. Venez rencontrer l'artiste lundi le 8 avril dès 17h dans le cadre de son vernissage en formule 5 à 7. Quoi de plus plaisant? Restons toujours au ici même au pôle.
Je souhaite rappeler la présence du programme Bibliojeu qui est disponible à la bibliothèque. Il s'agit d'une opportunité pour les familles d'enfants de 0 à 12 ans de rencontrer une orthophoniste gratuitement. La prochaine activité se déroulera le samedi 20 avril de 9h30 à 11h30. Ça n'entre pas en conflit, justement, avec le nettoyage des berges, ça? Non, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, me dit-on, ici, à l'oreille. Parfait. Les consultations durent 10 minutes et visent à accompagner les familles pour leur faire découvrir le programme. Ces derniers favorisent l'interaction parent-enfant tout en stimulant le langage oral et l'intérêt envers l'écrit et les mathématiques. Pour réserver, les citoyens avec carte accès valide doivent inscrire leur enfant sur le site Internet de la municipalité. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et en passant, ce n'est pas un hasard, c'est organisé avec le gars des vues. L'exposition Éclipse et vanité, vernissage le jour de l'éclipse. On est concept ou on ne l'est pas. Monsieur Talbot, allez-y. Oui, merci. Deux trucs, dans le fond, qui un qui va avoir lieu, puis un qui a eu lieu dans le district que je représente. Donc, le marché de Chambly, le marché public de Chambly, là, samedi qui vient, sous le chapiteau du Parc des ateliers, entre 9h et 13h, une quinzaine de marchands qui vont nous attendre avec leurs produits. Puis pour connaître les marchands sur place et toutes les dates d'ouverture du marché pour la saison qui vient, bien, tous les détails sont sur le site Internet de la Ville de Chambly. Dans un deuxième temps, un événement qui a déjà eu lieu, c'était le 25 mars dernier, aux sources du bassin, avait lieu la première pelletée de terre pour le lancement des travaux de rénovation et de construction, un grand projet pour le communautaire. Il y avait Mme Labbé qui était sur place, il y avait M. Jean-François Roberge, mon collègue Serge Savoie et moi-même, puis le conseil d'administration de l'organisme, plusieurs anciens présidents aussi, anciennement du CA, plusieurs commerçants, plusieurs organismes de Chambly et citoyens y étaient en soutien. Il y avait plus d'une cinquantaine, soixantaine de personnes sur place. Je l'ai mentionné, c'est un grand projet pour le communautaire, pour Chambly. C'est un grand projet pour les citoyens de Chambly, pour la revalorisation aussi de l'avenue Bourgogne. Et en terminant, si vous souhaitez contribuer à leur levée de fonds, je l'avais déjà mentionné par le passé, je le répète ici, parce que là, tout ça prend forme là, dans les prochains jours, c'est la campagne « Achète ta brique » qui est en cours, qui nous permet, dans le fond, de contribuer. Là, c'est 100 $ pour se procurer une brique. On peut même identifier ce qu'on souhaite qu'il soit mentionné sur la brique, là, si vous voulez faire une dédicace ou quoi que ce soit. Et puis, pour tous les détails, c'est sur les différents réseaux sociaux de l'organisme. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Talbot. M. Thibault, allez-y. Eh bien, sans grande surprise, je vais vous parler de l'ancien golf. J'aimerais vous rappeler que dans le cadre du projet de développement du site de l'ancien golf de Chambly, la Ville de Chambly a lancé une démarche de participation publique pour laquelle elle forme souhaiter une cohorte citoyenne afin de bien connaître les attentes des citoyens sur ce dossier en lien avec différents enjeux soulevés. On va traiter entre autres de la circulation véhiculaire, la densification, le développement durable, les espaces publics. La cohorte, les candidatures vont être acceptées jusqu'au 11 avril 16h30. Les informations sont disponibles sur le site web de Chambly, sur le site de l'Espace Chambly et même sur ma propre page Facebook où j'ai mis les détails. Il y a déjà une rencontre préparatoire virtuelle qui est prévue le 23 avril, puis il y a même deux ateliers de travail qui sont prévus à la fin avril, soit le 25 avril et un autre le 20 juin en soirée. Ce n'est que la première de nombreuses étapes dans laquelle on va sonder l'idée des citoyens, leur volonté, leur vision par rapport à cet espace, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quelque chose d'assez grand, c'est quelque chose de volumineux, c'est quelque chose qui va marquer l'entrée de la Ville de Chambly et son futur. Et puis, c'est en partenariat avec l'atelier urbain que cette cohorte-là est confectionnée. L'atelier urbain va prendre les applications, va faire un suivi, puis va faire les validations en question.
Maintenant, pour mon deuxième point, j'aimerais qu'on apporte peut-être une clarification à certains termes qu'on utilise souvent, qui peuvent semer la confusion. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent à l'ordre du jour pendant la période des questions, etc. Je sais que certaines personnes aimeraient bien avoir nos délibérés en public, en vidéoconférence ou quoi que ce soit. Comprenez que ce n'est pas par refus de le faire, mais bien que plusieurs des dossiers qui sont discutés ont des connotations secrètes ou plus ou moins qui ne sont pas de l'espace public. Il y a le secret professionnel, il y a certaines informations qui ne sont pas encore rendues publiques, donc il nous est impossible de les communiquer. Et ce qui ramène au terme huis clos. Puis moi, à vrai dire, il y a même quelqu'un, membre de ma famille, qui m'a demandé, j'entends tout le temps ça, ce mot-là, c'est quoi le huis clos? C'est drôle qu'on en a encore parlé ce soir, parce que j'avais préparé une petite ligne. Selon le petit Robert, lui vient d'un vieux terme français qui parlait des grandes portes aux entrées des salles. Alors, lorsqu'on disait le huis est clos, c'est qu'on fermait les portes de la salle, et donc c'était un délibéré qui était fait derrière porte close. Et une définition légale, toujours selon le petit Robert, c'est des délibérations qui ont lieu sans que le public soit admis. Alors, vous comprendrez que ce genre de délibération-là, des fois, on peut même rencontrer des urbanistes, on peut rencontrer des gens de la communauté d'affaires qui viennent nous présenter un projet. Si vous seriez en train de suivre 5 millions de projets, puis finalement, il y en a juste 10 à la fin de l'année qui lèvent terre puis qui mènent à quelque chose, vous demanderiez qu'est-ce qui ne marche pas bien dans l'appareil municipal, parce qu'on voit plein de projets, puis des fois, les retards ou les refus ne sont pas imputables à la ville, mais bien justement aux démarches légales d'obtention de permis, de qualification au niveau du provincial ou au fédéral. Fait qu'on fait tout ça dans le but d'accélérer le processus des rencontres. On fait ça dans le but d'accélérer aussi le processus des présentations d'assemblées municipales qui peuvent être longues et fastidieuses pour certains, mais aussi on le fait pour que le message soit plus clair et moins confus pour les citoyens. Alors, en espérant que ceci vous éclaire comme il faut, tout comme le soleil va nous éclairer avec un très beau spectacle lors de l'éclipse. Merci, bonne soirée. Merci, M. Thibault. Mme Dubois, oui. Que je félicite d'ailleurs pour sa nomination au comité de retraite. Hey, parfait, merci beaucoup. OK. Un des sujets d'actualité ces jours-ci, c'est le réaménagement du parc Jean Bigonnais qui est situé au secteur de Charles Michel de Salaberry. J'aimerais seulement vous donner les grandes lignes du projet. Le 20 mars dernier, nous avons débuté l'étape 1 du projet, c'est-à-dire le sondage en ligne. Je peux vous dire que les citoyennes et les citoyens sont présents et très fiers. Seulement pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 8 avril pour remplir le sondage à la section espacechambly.ca. Votre implication est importante et permettra ainsi de mieux connaître les besoins. Après le 8 avril, il y aura diffusion des résultats. Deux concepts d'aménagement seront proposés, suivis d'une soirée de consultation publique et vote pour déterminer le concept idéal de ce beau projet de qualité. Par la suite, un appel d'offres sera lancé pour réaliser les travaux qui prendront jour entre avril et septembre 2025. Rendez-vous diapason, un petit rappel, dernière chance pour vous procurer des billets pour le prochain rendez-vous diapason qui aura lieu le 18 avril à 14h, ici même au Pôle culturel de Chambly. Une belle occasion de se rencontrer tous ensemble et de vivre en même temps une belle expérience musicale en plongeant dans l'univers de vos films préférés, soyez des nôtres. En terminant, encore une fois, on retrouve notre mairesse, Mme Labbé, impliquée, et cette fois-ci dans un tout nouveau comité sur la démocratie municipale de l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec. Ce comité est déjà en poste et a pour mandat de valoriser la démocratie municipale et le rôle des élus municipaux et des élus municipaux. Ce comité est fort et englobe
au total 10 mairesses et maires des quatre coins du Québec. Il vise 3 objectifs. Le premier, favoriser la conciliation travail-famille personnelle. Deuxième, intervenir quand les élus municipaux et les élus municipaux sont victimes d'harcèlement ou d'intimidation. Troisièmement, agir pour soutenir les élus municipaux et les élus municipaux dans leur rôle et mission. Présentement, ce sont des sujets d'actualité fort préoccupants, même inquiétants et sérieux de nos jours. L'Union des municipalités du Québec fera une priorité pour 2024. Merci, Madame l'Abbé, pour votre soutien, votre engagement et votre implication dans ce beau projet. Merci beaucoup, Mme Dubois. Ça me touche énormément. J'ai beaucoup de plaisir à participer à ce comité-là. C'est hyper important d'y travailler. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Mme Legendre. Oui. Bien, je serai plus brève, mais je suis porteuse de bonnes nouvelles. Donc, le programme Accessibilité loisirs a été mis à jour et sera de retour pour l'été 2024. Ce programme permet aux familles de Chambly ayant un plus faible revenu de bénéficier d'une subvention pour inscrire leur enfant au programme 40 jours pour l'été 2024. Le montant loué est un montant forfaitaire fixe qui va jusqu'à un maximum de 427 $ et qui correspond à 50 % des coûts totaux pour un enfant durant un été complet au camp de jour régulier. Donc, pour être admissible, éligible, en fait, les familles devront respecter certains critères d'admissibilité et fournir évidemment des documents. Toutes les informations ainsi qu'un formulaire de demande se trouvent sur le site Internet. Je rappelle que les inscriptions pour les camps de jour débuteront le jeudi 18 avril prochain dès 18 h et se fera en ligne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Legendre. Monsieur Savoie. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, notre série d'événements à saveur historique et amusante, les saisons du Jardin Boileau, est de retour en 2024. Je vous invite à célébrer avec nous la culture d'antan dans un après-midi festif, le dimanche 5 mai de 13h à 16h au Jardin Boileau. Ceux qui ne le sauraient pas, le Jardin Boileau est situé au coin de la rue Martel et de la rue Bourgogne, l'ancienne maison Boileau. Donc, au programme, plusieurs activités gratuites seront offertes aux visiteurs lors de cet après-midi. Il y aura entre autres des démonstrations de métiers d'antan, une performance musicale, des animations et ateliers historiques, entre autres. Donc, c'est un rendez-vous, je le répète, le dimanche 5 mai en après-midi de 13h à 16h au Jardin Boileau. Probablement qu'on va y être, Madame la mairesse. Avec vous, certitude. Vous, assurément. Moi, probablement, devrais-je dire. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. En effet, c'est les 4 saisons qu'on visite, donc vous devinez que ce sera le printemps. Toujours un beau rendez-vous, les saisons du Jardin Boileau. Monsieur Ricard, vous clôturez la soirée. Alors, je ferme la boucle. Bonsoir à tous. Donc, un petit mot. Les ateliers gratuits de course à pied sont de retour ce printemps. En collaboration avec l'organisme Trifort de Chambly, on vous invite à découvrir ce sport merveilleux pour ceux qui aiment courir à la piste d'athlétisme du Parc Robert-Lebel. Donc, les inscriptions commencent le 22 avril. Et vous pouvez surveiller tout ça sur notre site Internet. Toujours dans la thématique de la course, j'aimerais vous rappeler que des places sont encore disponibles pour le défi Famille en forme. Donc, c'est bon de faire courir les jeunes. La Ville de Chambly est fière de s'associer à Défi Famille en forme et à l'organisme Trifort de Chambly afin de lancer une activité de course à pied le dimanche 5 de mai au Parc des Ateliers. Ces événements vous proposent 4 distances chronométrées de 1, 2, 5 et 10 km. Les épreuves sont ouvertes à tous. Des frais d'inscription s'appliquent. La Ville propose gratuitement la course de 1 km, puis ce n'est pas chronométré. Tout le monde est à l'aide de l'équipe de l'organisme Trifort de Chambly et des bénévoles sur place. L'inscription est gratuite, mais il faut faire vite puisque les places sont limitées et il est possible de s'inscrire sur le site Internet d'ici le 21 avril. Et en terminant, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Pour le vivre un peu comme grand-père, j'ai 2 petits-fils qui ont le truc de l'autisme, dont un sévèrement. Je veux juste mettre comme commentaire que si des fois vous voyez des familles qui sont dans cette situation,
c'est pas toujours facile. Donc, il faut avoir un bon cœur. Puis des fois, s'ils ont besoin d'aide et aussi surtout de comprendre. Parce que des fois, on se dit, mais coudonc, l'enfant, dans un centre d'achat, c'est pas normal ou il se comporte drôlement. Bien, c'est parce qu'ils sont dans un environnement, dans leur esprit, qui n'est pas tout à fait le nôtre. Donc, je lève mon chapeau aux parents qui ont ces épreuves-là. Je leur souhaite bon courage pour le vivre indirectement. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à ceux qui sont présents dans la salle. Merci pour les questions. Et bonsoir en famille, à la maison. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Ricard. Il nous reste simplement la levée de l'Assemblée. J'ai trouvé, hein, le chat arrive juste quand j'arrête de parler. Donc, 14.1, levée de l'Assemblée. Annie Legendre, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Rentrez bien. Merci à ceux qui étaient avec nous à la maison. Merci. Merci, bonsoir.